Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais faire aujourd'hui, comme c'est la Saint-Valentin bientôt, donc j'ai réalisé un petit make-up qui pourrait tout à fait aller pour la Saint-Valentin. Donc je vous montre ça de plus près. Voilà. Un peu de violet, du noir, du rose, mélange de plusieurs couleurs. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, continuez à me regarder. Bon, au niveau de des fards, donc j'ai employé d'abord, j'ai mis, bon, comme d'habitude, ma base à paupières. Ici, c'est la couleur chair. J'ai mis sur la paupière mobile le fard crème de chez Essence. Rose un peu avec des reflets dorés, comme ceci. Par-dessus, j'ai mis un fard prédestiné, n'est-ce pas, puisque dans ma palette sans nom il y a des noms sur les fards, en fait. Ça, je vous avais pas encore dit, enfin bref. Donc j'ai trouvé un fard dans les tons roses qui s'appelle Love. Donc why not, hein. Donc voilà, donc j'ai mis sur la paupière mobile. Dans le au coin externe, j'ai mis ce violet foncé. C'est un fard mat. Et j'ai rajouté un peu de noir aussi dans ce coin-là. Donc j'ai fait le mélange des deux, du violet et du noir pour le coin externe. Pardon. Au niveau, pour aider à l'estompage, donc j'ai mis un fard mat de couleur chair, et comme touche lumière j'ai mis un tout petit peu de ce blanc sous le sourcil. Voilà. Et j'ai mis sur la paupière mobile, au dessus de ce fard rose, j'ai mis des fards minéral de la gamme minérale de chez ELF. Ici, en l'occurrence, attendez, je vais vous dire le nom, je vais fermer la petite. C'est Natural. Donc c'est très, 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 très joli. Voilà. Et ça a fait en même temps la petite touche lumière dans le coin. C'est super joli. Voilà. Alors, au niveau du blush, j'ai employé aussi de la gamme ELF le blush Innocence. S'il veut bien s'ouvrir, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous avez bien vu. Ça s'appelle Natural. Voilà. Et j'ai mis un peu de crayon violet au ras des cils supérieurs, et j'ai, pour l'estomper un peu, j'ai employé aussi ce fard violet ici qui s'appelle Fabulous. Donc j'ai employé le Love, le Perfection, le Rapture, le Tranquille et le Célébration. Tous ces noms. Voilà. Eh bien, le restant, je ferai avec vous la poudre et tout y quanti. Donc, si ça vous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben restez.
Voilà, j'espère que ça a plu. J'avais oublié de mentionner, c'est en me maquillant que j'ai oublié de vous dire qu'au niveau ici au-dessus là, j'ai mis un fard un peu rouge, on va dire. Voilà, c'est le drama, ça s'appelle. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je trouve ça pas trop mal. Je crois que je dois un tout petit peu. Que non, ça va. Donc dans le, vous avez vu, j'ai employé deux crayons, j'ai mis légèrement du violet dans la mucule, et par dessus j'ai mis vraiment du crayon blanc pour ouvrir le regard. Voilà. Bon, maintenant au niveau de l'highlighter, je vais mettre donc celui de chez Bourjois. Je vais faire ça avec juste mon petit doigt, donc juste ici, moi je vais mettre cette fois-ci juste au niveau sur l'os au-dessus. On peut mettre un petit peu sur le nez, l'arc de Cupidon, comme c'est pour la Saint-Valentin, il faut qu'on soit Saint-Valentin, je... Alors, la poudre, je vais prendre la Light Beige de chez ELF. Pour estomper un sapin de Noël. Voilà. Alors, au niveau de la bouche, j'ai choisi de mettre ce gloss champagne qui va super bien avec le make-up. Et par-dessous, je vais mettre du crayon. Ici, c'est de chez Emma et c'est le numéro 23.
le petit zoom sur la bouche. Voilà. Oups. Désolée. Voilà. Alors, le petit coup de kabuki magique. Je n'ai pas fait de contouring aujourd'hui, non. Peut-être que le jour de la Saint-Valentin, j'en ferai, mais il ne faut pas trop. Voilà, je trouve que déjà avec un peu de lumière au niveau des pommettes, ça suffit. Voilà, alors au niveau des bijoux, ben, j'ai mis, donc c'est une parure Swarovski en fait. Mon mari qui m'a offert ça pour la fête des mamans. Voilà. Je vais peut-être approcher, comme ça vous verrez. Ce sont des demi-créoles. Hein. Voilà, avec des petits Swarovski incrustés. Et alors ici, donc c'est juste un petit rond comme ça. Voilà. Oups, je vous fais bouger. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!